Mes chers collègues, je déclare donc ouvert le conseil municipal du jeudi 7 avril 2022. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance M. François Prince Bouguéagué, auquel je propose de faire l'appel nominatif. Merci Monsieur le maire. Laurent Dartout. Présent. Alain Rigaud. Duclos Florence. Présent. Manière Christian. Présent. Picard Christiane. Mazur Mathias, Piconchène Nadine, Marcos Eddy, Renaud Annie, Donadieu Laurent, L'Arrivée Fernand au pouvoir Mathias Mazeron, Avril Jean-Paul, Falzon Béatrice, Primo Patrice, Lemire Denis, Lachaud Nadine, Mamola Walter, Brandy Annie, Bouyégué Laurence, Verniol Eric, Serre Stéphane, Benoît Fabienne, Roche Karine, Prince Bouyégué François présent, José Julie pouvoir Alain Rigoux, Tesson Leslie pouvoir Florence Duclos, Laborie Jean-François, Marchou Patrice, Martino Delphine, Lowers Nathalie, Philippi Frédéric, Doge David et Paro Liliane. Merci. Merci. À vous. Avant d'attaquer l'ordre du jour, j'aimerais vous faire deux, trois rappels sur le règlement intérieur pour la suite et le bon déroulement de nos futurs conseils municipaux. Je vais donc vous lire deux, trois articles et rappeler deux, trois articles sur les règles de bienséance du conseil municipal, entre autres l'article 5 sur les questions orales. Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général. Celles-ci feront l'objet d'une transmission écrite au maire 24 heures avant la date du conseil municipal. Sur les questions écrites, pour bénéficier d'une réponse en séance, ces questions doivent être adressées au maire deux jours francs avant la réunion. Vous dire aussi que sur les débats ordinaires, la parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte des questions traitées ou qu'il trouble le bon déroulement de séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée. Voilà ce que je voulais vous dire avant d'attaquer l'ordre du jour, et je vous propose de passer à l'approbation du procès-verbal du 10 février 2022. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette approbation du procès-verbal? Pas de remarques. Merci. Décision prise par Monsieur le maire en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et j'aimerais savoir s'il y a des questions ou des remarques sur les décisions que j'ai pu prendre depuis le dernier conseil municipal. Oui, Monsieur Marchoux. Monsieur le maire, ma question concerne la 2022-9. Marché de nettoyage de locaux communaux. Est-ce que vous pourriez nous apporter quelques précisions quant au surcoût de l'ordre de 4 000 euros qui est survenu, à quoi correspond-il? Tout à fait. Nous avons pris à notre charge pour un délai de 1 an, avec la convention que nous avons passée avec la gendarmerie, le nettoyage de l'accueil de la gendarmerie, mais là aussi où se trouvent maintenant nos ASVP. C'est-à-dire que c'est des locaux qui étaient entretenus auparavant par la trésorerie et qui, pour une période de 1 an, sera nettoyé par la municipalité. Mais nous avons aussi nos ASVP que nous avons transférés dans ces locaux. Voilà le surcoût annuel. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, Madame Levert. Il s'agit de la décision 29. Vous nous faites part d'un chantier de rénovation de l'hôtel de ville pour un montant de 327 000 euros. Vous nous avez souvent dit que l'hôtel de ville
n'était pas bien isolée. On sait que l'électricité a énormément augmenté en ce moment. Donc, on se demandait savoir si ce n'était pas judicieux de profiter de ces gros travaux pour une meilleure isolation. C'est très judicieux et on a lancé de nombreuses pistes là-dessus, sauf que, sans faire offense à l'architecte qui a fait ces travaux, le plus gros gouffre thermique de notre hôtel de ville, c'est son escalier qui prend un quart de la place et qui est difficilement chauffable l'hiver et on peut difficilement le rafraîchir l'été aussi. Donc pour l'instant, il n'a pas été question de rénover thermiquement l'hôtel de ville. Nous avons eu plusieurs adaptations de travaux, dont le désenfumage de la trappe centrale qui a été réalisée il y a maintenant 2 mois. Je ne vous cache pas que c'est un lieu public difficile thermiquement, dû essentiellement à l'ensemble de ces baies vitrées, où nous avons des vitres particulières, hein, puisque c'est un double vitrage auquel il avait été mis du gaz entre les deux vitres. Et vous vous rendez compte que dans de nombreuses baies vitrées de l'hôtel de ville, eh bien, la condensation arrive à se faire. Si un jour nous devions faire des travaux d'isolation pour la mairie, en règle générale, ça serait compliqué. Nous avons quand même prévu une étude thermique au budget 2022 pour voir justement où nous allons, mais quand même compliqué sur un tel bâtiment. Monsieur Philippi, vous nous aviez fait part de votre souhait de voir où on va. Je vous proposerai avec le groupe d'opposition, mais aussi pour tous les élus que ça intéresse, de voir où nous allons aller sur cette rénovation. Une rénovation qui va comprendre 3 salles. Donc la salle du conseil municipal, où d'ailleurs, mes chers collègues, nous ne siégerons jamais, puisque les travaux vont débuter dans quelques semaines. Nous aurons toujours siégé soit ici, soit à la salle polyvalente. Donc la salle du conseil municipal sera transformée en bureau, puisque nous manquons énormément de bureaux au sein de la mairie. Nous avons des agents qui ont leur bureau dans les couloirs, et ça ne peut être concevable. Nous aurons la salle des mariages, puisque la commune de Malemort est une des communes atypiques, puisque nous n'avons pas l'église au milieu du village, et en plus nous avons une salle dédiée exclusivement au mariage, chose qui est extrêmement particulière, avec un mobilier qui est difficilement modulable et déplaçable. Donc cette salle des mariages sera la future salle du conseil municipal, mais cette salle sera aussi équipée des nouvelles technologies pour que nous puissions faire de la visioconférence. Nous n'en étions pas dotés à la mairie de Malemort, et vu les circonstances et vu les épreuves que nous avons traversées, nous savons tout l'intérêt maintenant de pouvoir faire de la visioconférence, de pouvoir faire du télétravail. Et la salle Fréchinos, qui se trouve en sous-sol, sera donc transformée entre guillemets en salle polyvalente, je dis bien entre guillemets, puisque c'est une salle qui sera dédiée au mariage, mais aussi aux expositions et aux petites réunions. Et là, elle sera aussi rénovée avec du mobilier qui permettra aux employés municipaux de travailler assez facilement sans que... Voilà. Donc c'est une rénovation, c'est une salle, cette mairie maintenant a bientôt 40 ans. Peu de travaux ont été faits et nous devons aussi de transmettre un patrimoine à nos successeurs, un patrimoine quand même rénové. Mais pour vous rassurer, Madame Levers, une étude thermique est prévue au budget 2022. Merci. Au BP, oui. Et 89, oui, tout à fait, tout à fait. 26 ans, je parlais de tête. D'autres questions, d'autres remarques sur les décisions que j'ai pu prendre? Je vous remercie. Je voudrais juste mettre en exergue une vraie volonté. C'est la décision 2022-18 qui était une convention de formation que nous avons regardée avec notre jardinier, mais qui va être aussi à destination de ceux qui travaillent
nos arbres, les arbres, nos platanes, nos chênes sur la commune. C'est une formation qui est intitulée « Les arbres face au changement climatique » et c'est un dossier que l'ensemble de nos élus, Patrice Primo et ainsi que les adjoints au maire, ont pris à bras-le-corps pour transmettre aussi des arbres qui vont pouvoir faire face au changement climatique que nous avons. Je vous remercie. Je vous propose donc maintenant de passer à la délibération numéro 1, acquisition de la partielle cadastrée AW224. Et je donne la parole à Alain Rigoux. Une partie de la voirie et de l'accotement de l'avenue Honoré de Balzac à l'entrée du lotissement Gallia appartient encore à un propriétaire privé. Afin de régulariser cette situation, il est proposé au conseil municipal d'acquérir la parcelle cadastrée section AW224 d'une superficie de 242 mètres carrés. À l'euro symbolique, de dire à l'étude de manière maison Cazot sera chargé de la rédaction des actes pour la ville, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à cette affaire, de dire que les dépenses sont inscrites au budget. C'est parti, mon chef. Alain, tu l'as fait voter en l'absence du maire. Qui c'est qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Désolé. Allez, on continue. Acquisition de la parcelle cadastrée AC341, située au lieu d'Hidargo et plus précisément en face du four. Monsieur Alain Rigoux. Suite au bornage d'un terrain privé qui est apparu d'un délaissé de voirie, situé juste à l'entrée du four à Pendargo, appartenait à un particulier. Il s'agit de régulariser cette situation. Il est proposé au conseil municipal d'acquérir la parcelle cadastrée section AC341 d'une superficie de 14 mètres carrés au prix de 100 euros, majoré des frais de notaire. De dire que l'étude manière maison Cazot sera chargée de la rédaction des actes pour la ville, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à cette affaire, de dire que les dépenses sont inscrites au budget. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des votes contre, unanimité? Merci. Je donne la parole à Christian Manière pour l'acquisition de la parcelle cadastrée A1378 située chemin de Druille. Non, c'est l'imagère d'abord. Merci, monsieur le maire. Donc, mes chers collègues, il vous est proposé d'abord une délibération qui concerne deux parcelles dans le même ordre que les deux que nous venons de voir avec Alain Rigoux. C'est une régulation de surface pour une nouvelle rue qui avait été ouverte aux Magères et où on n'avait pas régularisé donc les quelques mètres carrés que l'agriculteur nous avait gentiment laissés. Donc, il vous est demandé donc d'accepter d'acquérir les parcelles pour l'euro symbolique, de dire que l'étude de maître Manuel Maison Cazot sera chargée de la rédaction des actes pour la ville, d'autoriser monsieur le maire à signer les documents et de dire que les dépenses sont inscrites au budget. Voilà, monsieur le maire. Merci. Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vais juste vous préciser, pour les prises de parole, il faut que votre micro soit bien prêt. Sinon, j'ai mes deux techniciens qui s'arrachent les quelques cheveux qui leur restent. Et les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux hurlent en disant « on n'entend rien à Malmort ». Donc, il faut parler bien près du micro. Acquisition de la parcelle cadastrée BM33 située 18 avenue Jean Jaurès. Donc, ça, c'est moi. Autre chose, Christian? Oui, tu m'en as loupé une. Voilà. Donc, j'en ai une autre. J'en ai une autre, monsieur le maire. C'est ça. Donc, mes chers collègues, dans le même ordre d'idées, donc toujours à Venarsal, une parcelle 1378 pour 196 mètres carrés, donc qui sera cédée par les propriétaires pour l'euro symbolique. Donc, dire que donc, vous nous autorisez à acquérir cette parcelle, que l'étude maître manière maison sera chargée de la rédaction des actes, autoriser monsieur le maire à signer les documents et dire que les dépenses sont inscrites au budget. Merci. Voilà, mes chers collègues. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci à vous. Une délibération importante pour notre commune maintenant, l'acquisition de la parcelle cadastrée BM33 située 18 avenue Jean Jaurès.
Considérant que la parcelle cadastrée BREM 33 d'une superficie de 1176 m² se compose d'une maison avec garage, d'un jardin et d'un abri couvert, considérant qu'au premier avis d'évolution domaniale fixé le prix et la valeur vénale de 185 000 euros, considérant que depuis cette date, la maison a fait l'objet de plusieurs travaux de rénovation, isolation, changement de certaines menuiseries, peinture, sol, etc., considérant que ces dernières années, Malemort n'a pas échappé à la hausse des prix observée sur le marché de l'immobilier du bassin de Brive, considérant qu'au vu de ces éléments, le prix de l'acquisition a été négocié à 203 500 euros hors frais d'acte. Je vous propose de faire l'acquisition, que la collectivité fasse donc l'acquisition de cette maison, pour que tout le monde comprenne bien. C'est la maison qui se situe entre la mairie et l'école Jules Ferry. Nous avons donc pris le prix des domaines qui nous avait été donné, auquel nous avons été au maximum de ce que nous imposait la loi, c'est-à-dire 10%, ce qui nous ramène le prix à 203 500 euros, important pour notre centre-ville de Malemort. Oui, des remarques d'abstention. Oui, M. Philippi. Nous usons de cette délibération, mais aussi sans doute de la suivante, pour savoir où nous en sommes de l'ensemble des acquisitions par rapport au projet Cœur de Ville. Plus exactement, aurons-nous d'autres délibérations d'acquisition ou est-ce que nous sommes arrivés au bout ? Quand nous aurons fini ce conseil municipal, j'allais dire que j'espère que nous en serons au bout. Le sujet peut se retrouver dans quelques années sur les deux maisons se trouvant entre la passerelle de Beaurivage et le pont de Beaurivage. Mais si nous faisons l'acquisition, si l'acquisition foncière devait se faire, je proposerai à la communauté d'agglomération de les acheter pour laisser passer la voie verte. Pour la commune de Malemort, si vous m'aviez posé la question il y a un mois de ça, je ne vous aurais pas parlé de la future acquisition que vous allez avoir dans la prochaine délibération. La négociation sur celle-ci s'est achevée en début de semaine. Nous ne devons plus acheter de maison sur Malemort pour finir le centre. Les deux délibérations que vous avez ce soir sont deux délibérations, par contre, importantes pour la cohésion du futur centre de Malemort que nous avons. Donc, à la fin du conseil municipal, la mairie de Malemort arrêtera d'acheter des maisons. Et, comme vous le savez, place aux travaux dès septembre. Pas d'autres remarques ? Je le mets aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Unanimité. Merci. Je suis un peu perdu dans mes délibérations. Ah oui, tout à fait. Alors, attendez, je suis un peu perdu dans mes... Je vous demande deux petites secondes. Je ne l'ai pas dans mes documents. On va le faire là. Alors, c'est l'acquisition de la parcelle BM 50 située 48 avenue Jean Jaurès. C'est celle que je vous parlais il y a quelques minutes. C'est donc la parcelle de terrain qui se trouve entre le boulodrome et le pont de Beaurivage. C'est une maison, pardon, qui se trouve entre le boulodrome et le pont de Beaurivage. J'ai rencontré les propriétaires à la suite d'une réunion participative que nous avons eue sur le centre-ville. Ils sont venus se présenter à moi. Nous sommes rapidement tombés d'accord sur cette acquisition et nous proposons donc à l'ensemble du conseil municipal d'acquérir cette maison située donc au 48 avenue Jean Jaurès pour une valeur de 100 000 euros. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Écoutez, je vous remercie. Et
nous aurons, vous avez déjà eu une présentation du pré-programme du centre-ville et nous aurons au mois de juin une présentation officielle du programme de cœur de ville de Malemort. Encore une délibération très importante. Oui, pardon, monsieur Philippi, je vous laisse la parole. Excusez-moi. Campagne en annonçant votre volonté de réaliser une place cœur de ville, un cœur de ville, conduisant à l'achat et à la démolition d'un certain nombre de maisons. Et à chaque fois, vous avez proposé les acquisitions immobilières. Nous ne nous sommes pas opposés à vos délibérations. Les Malemortois avaient clairement voté pour vous et donc pour ce projet. Désormais, au travers de cette délibération et d'autres, vous allez au-delà de ce que vous aviez mis dans votre document de campagne. En achetant deux maisons supplémentaires, celle vue dans la délibération et puis celle-ci, le tout représentant 285 000 euros hors frais annexes et de démolition. Nous ne sommes donc plus vraiment dans le cadre du projet municipal qui faisait suite aux élections, mais au-delà. Et pour notre part, dans notre projet municipal, nous avions eu l'ambition de proposer de consulter les Malemortois par le biais d'un référendum populaire lorsqu'il y aurait des investissements conséquents non annoncés lors de la campagne électorale pour, quelque part, des investissements d'ampleur, hein, et 300 000 euros, c'est pas rien, quelque part pour aussi faire participer les citoyens au débat. Alors certes, au travers des réunions publiques que vous commencez à animer, ça permet d'avoir un échange, mais c'était une solution qui aurait pu être envisagée. C'est pas pour autant que nous remettons en cause notre vote, hein. Mais je pense qu'à l'avenir, si on veut retisser un lien entre les citoyens et les élus, parce qu'aujourd'hui, en termes de participation, en termes de vote d'extrême ou autre, on a le sentiment que ce lien a tendance à se perdre. Peut-être qu'il faudra utiliser, pour des gros investissements non annoncés en période électorale, une consultation, laquelle, je ne sais pas, pour justement faire vivre cette démocratie et que nous en soyons acteurs. Merci, M. Philippi. D'autres remarques, d'autres questions? Bon, il ne vous a pas échappé, M. Philippi, que courant 2021, le cabinet d'études Préau était venu à la rencontre des Malemortois, que nous avons fait des groupes participatifs pour faire une étude de programmation et pour donner les grandes lignes de ce que pourrait être le cœur de ville de Malemort de demain. Et c'est à travers ces groupes participatifs, où il y avait eu un appel à la population, de fait, pour y participer, où tous les Malemortois pouvaient venir, où pas assez de réunions publiques ont été faites, pas assez parce que le Covid était là et qu'on ne pouvait, à un moment donné, on avait interdiction de faire des réunions, et je le regrette. Nous avons donc pris ce que vous parlez ce soir, c'est-à-dire de faire de la démocratie participative le plus possible. Alors, est-ce qu'on en fait assez, pas assez, ça c'est un autre sujet. Vous remarquez aussi que depuis maintenant un mois, on a lancé de nombreuses réunions participatives avec les associations, les anciens élus, les anciens maires, les commerçants artisans, les groupes participatifs, les élus, donc ça fait beaucoup de monde qui ont participé depuis un mois à ces réunions pour justement aller dans le sens que nous souhaitons, où ce projet soit partagé par le maximum de Malemortois pour qu'il puisse correspondre au maximum de Malemortois. Je le dis et je le redis, nous ne travaillons
pour nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Et il était de notre devoir de rassembler le maximum de Malmortois pour avoir un avis sur ce projet. L'acquisition de ces deux maisons, lorsque vous regardez le résultat du cabinet d'études Préau qui nous a rendu leur dossier en décembre 2021, avait parlé déjà de l'acquisition de ces maisons. Donc nous sommes dans la droite ligne de ce qui avait été discuté avec les Malmortois courant 2021. Oui, M. Philippi, bien sûr. Discours référendum local. On peut toujours aller plus loin. On peut toujours aller plus loin. Il y a eu le grand référendum local des élections municipales. On va pouvoir difficilement nous reprocher d'aller plus loin, plus vite que ce que nous voulions au départ. Je pense qu'aujourd'hui, d'aller plus loin, plus vite, bien c'est une vertu. C'est aussi la vertu d'une équipe municipale qui a décidé, au lieu d'attendre, de se tourner vers l'avenir et de se tourner vers une commune, comme je le souhaite, comme nous le souhaitons tous, vers une commune qui soit le plus dynamique possible. Oui, nous allons vite. Oui, nous allons fort. Oui, nous le revendiquons et nous serons, je l'espère, les uns et les autres, fiers du Malmort que nous allons transmettre à nos arrière-petits-enfants. Pas d'autres remarques ? Merci, justement. Tout continue avec la consultation d'un groupement de commandes pour les travaux de redynamisation du cœur de ville. Il a été ainsi proposé la construction d'un groupement de commandes pour les travaux du cœur de ville, dont les membres seraient la Fédération d'électrification de la Corrèze. Et je remercie ici Christian Manière d'en être un des artisans. La communauté d'agglomération du bassin de Brive, mais aussi la commune de Malmort, coordonnateur du groupement. La répartition des tâches relatives à chaque mètre d'ouvrage se définit par nature de travaux comme suit. Pour la commune de Malmort, réhabilitation des réseaux d'eau pluviale, réhabilitation de la totalité de l'espace public. Pour la Fédération départementale d'électrification, réfection des réseaux et d'installation d'éclairage public. Pour la communauté d'agglomération, la réhabilitation du réseau d'eau usée, renouvellement d'eau potable, d'eau brute et réalisation de la voie verte. Cette délibération que nous vous proposons ce soir a déjà été validée par la communauté d'agglomération à l'unanimité le lundi 28 mars et a été validée aussi par la Fédération d'électrification le jeudi 31 mars. Vous dire que pour la communauté d'agglomération, au total, et je voudrais ici remercier la communauté d'agglomération de Brive et son président Frédéric Soulier, puisque c'est 2 130 000 euros qui vont être déversés par la communauté d'agglomération sur notre commune de Malmort. Vous avez dans cette délibération l'ensemble des lots qui sont proposés avec en face les maîtres d'œuvre. C'est une délibération importante et c'est à vous ce soir de la valider ou de l'amender. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette délibération très importante pour notre commune? Oui, M. Philippi. Notre programme de 2020 prévoyait des travaux de réseau potable d'eau usée, également du giratoire de Jean Baldou, donc depuis la zone commerciale. Nous voterons donc pour ces travaux, puisqu'ils prennent en partie ces travaux. Nous voterons pour ce groupement de commandes qui valide une partie de ces travaux. Mais nous avons en revanche un regret. Cette délibération prévoit une commission d'appel d'offres à laquelle nous ne sommes pas présents. Alors, avec un peu d'humour, vous y serez presque en famille, mais engager 8 millions d'euros de travaux à Malmort, même si certains sont de la charge de l'agglo ou de la Fédération
départementale d'électricité, sans y associer les élus d'opposition. Bon. Convenez que nous pourrions être conviés sans voix délibérative, à assister à cette commission, tout simplement. Merci. Le problème, monsieur Philippi, c'est que les CAO, les commissions d'appel d'offres, dépendent directement du suffrage universel, que nous ne pouvons pas choisir pour la fédération d'électrification quel va en être le membre, puisque le membre représentant la fédération d'électrification doit être membre de la CAO de la fédération d'électrification. C'est ça, Christian, hein ? Nous ne pouvons pas décider. Donc c'est la fédération d'électrification qui nous a donné son interlocuteur. Exemple, votre serviteur n'aurait pas pu... Pour la communauté d'agglomération, monsieur Pierre Monteil, monsieur Alain Zizard, ce n'est pas de ma famille, ou ce n'est plus de ma famille. Politique. Vous comprenez bien que c'est une CAO, oui, bien sûr, un peu particulière, qui prend plusieurs membres et plusieurs groupements. Donc, il était difficile d'inclure d'autres membres. Par contre, c'est une CAO exceptionnelle, puisque c'est la première fois dans la commune de Malemort que nous allons avoir... une opération, une CAO européenne. Jamais la commune de Malemort, jamais, a eu un appel d'offres européen. Donc la CAO, j'allais dire que le prix va être prépondérant et que l'ouverture des prix, des plis, qui s'appellent encore ouverture des plis, sont uniquement informatiques et, j'allais dire, il va falloir, entre guillemets, entériner le moins dix ans. Donc, bon, maintenant, lorsque vous dites que ça se passe en famille, ces travaux et cette CAO, je vous remercie de l'honneur que vous me faites de mettre... dans notre famille, Jean-François Laborie, pour suivre la suite de ses travaux, puisque vous le savez, il n'est pas membre de la CAO, mais l'argent qui sera décidé, les travaux seront suivis. Et lorsque nous le pouvons, vous le savez que lorsque nous le pouvons, et vous ne pouvez pas me faire ce procès d'intention, lorsque nous le pouvons, nous essayons d'intégrer au maximum des élus de l'opposition pour qu'ils puissent... œuvrer auprès des Malemortois. Nous sommes sur un sujet entre guillemets légal, donc impossible pour nous d'inclure, mais assurez-vous que l'argent du contribuable sera bien desservi. Pas d'autres remarques, pas de vote contre, pas d'abstention. Merci pour cette unanimité importante. Je vous fais celle-là. Approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'installation d'ombrières photovoltaïques. Voilà, là aussi, une délibération qui va de l'avant, qui va bouleverser un peu notre commune. Vu la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 et la loi climat résilience du 15 août 2021, qui impose des objectifs ambitieux de développement énergétique renouvelable aux collectivités territoriales et à leurs groupements, considérant que la commune souhaite intégrer dans cette démarche en cohérence avec le schéma directeur des énergies qui a pour objectif de développer les énergies renouvelables sur le territoire. En conséquence, la commune de Malemort a lancé un appel à projet pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour trouver un prestataire en vue d'installation d'ombrières photovoltaïques sur le nouveau terrain de Boule et sur les zones de parking situées avenue du Parc des Sports.
La publication de l'appel à projet a eu lieu le 25 novembre 2021. La remise des candidatures était prévue pour le 23 décembre 2021 et ils étaient quatre à avoir répondu. Après analyse des offres, l'offre retenue a été celle de Orcan, associée à SDEL Limousin, qui propose de couvrir la totalité des terrains de pétanque, les 5 pas de tir à l'arc, le clos et le couvert de la structure Maison des Boules et la couverture des parkings des deux côtés de l'avenue du Parc des Sports. Ces prestations pourront évoluer en fonction des résultats de l'appel d'offres et de rachat de l'énergie auprès de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui aura lieu après la signature de la présente convention d'occupation du domaine public. Il vous est donc ce soir proposé que l'on puisse signer cette convention d'occupation du domaine public pour des ombrières à Malemort. Je vous ai dit où elles étaient situées, mais qu'est-ce que c'est exactement ? C'est là aussi une commune tournée vers l'avenir et vers les énergies renouvelables. Demain, avec ces ombrières, c'est 500 foyers malmortois qui vont être desservis en énergie verte, soit 12% de nos foyers. Lorsque l'on fait un total sur notre commune, des différentes ombrières, des différents panneaux photovoltaïques qui sont implantés sur la commune de Malemort, c'est un quart de la population qui est alimentée directement par le solaire sur la commune de Malemort. Cette délibération est une délibération ambitieuse, là aussi tournée vers l'avenir, là aussi tournée vers nos enfants, là aussi tournée vers l'écologie. Un quart de notre population sera donc desservie en énergie verte sur la commune de Malemort d'ici un an et demi. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération ? Oui, Madame Levers. Oui, Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous préciser si l'entreprise paiera un loyer pour l'occupation de ce domaine public ? On n'a pas trouvé dans les documents. Non, madame. Je vous demande une petite seconde. Non, madame. Ils ne paieront pas un loyer pour la bonne et simple raison que nous avons négocié. Hop là. Nous avons négocié avec eux pas un loyer annuel ou mensuel, mais le clos et le couvert de la structure Maison des Boules. C'est-à-dire que c'est une grande première, cette délibération, pour de nombreuses collectivités. Nous sommes pionniers dans ce domaine. C'est-à-dire que le pas de tir des archers, les terrains de boules seront couverts, donc mettront à l'abri nos boulistes, mettront à l'abri nos archers. Mais aussi, c'est derrière offrir la maison pour nos boulistes, cet endroit convivial auquel il tient tant, et c'est là-dessus que nous avons négocié, donc ça ne coûtera rien aux contribuables malmortois. D'accord, merci. Il faudra bien sûr, et je vous le redis, une fois cette convention d'occupation du domaine public validée, que nous, donc l'appel d'offre va partir à la CRE, qui là va fixer le tarif de rachat, et c'est par la suite où nous signons avec Orcam pour bien valider tout ce que nous avons dit ce soir, mais c'est uniquement après le passage à la CRE au mois de juin, en sachant qu'on se dépêche, parce que si on ne le fait pas au mois de juin, il faudra qu'on attende novembre pour repasser à la CRE. Pas d'observation, pas d'autres remarques ? Oui. Et plus fort, s'il vous plaît. Prends le. Oui, vous,
Vous parlez des parkings le long du parc des sports. C'est sur la longueur totale de l'avenue ? Oui. Des deux côtés ? Oui. D'accord. Avec bien sûr. Et l'aménagement aussi, certainement, quand même des trottoirs. Pas dans l'eau. Avec des trottoirs, avec un revêtement droite et gauche, avec des parkings éclairés, avec des parkings sécurisés. Tout ça grâce à l'implantation de ces panneaux photovoltaïques. Merci. Nous pouvons faire de l'énergie verte sans que ça coûte aux collectivités. Nous pouvons faire de l'énergie verte tout en faisant en sorte d'améliorer le quotidien de nos habitants sans que ça leur coûte un centime. D'accord. Merci, monsieur le maire. Pas de vote contre, pas d'abstention, sinon là, je serai très surpris. Merci à vous. Je voudrais remercier les services techniques, les services financiers, le directeur général des services, ainsi que l'ensemble des élus qui m'ont suivi sur ce dossier, car c'est des mois et des mois de travail avant d'en arriver là. Monsieur Alain Rigoux, approbation d'une convention de servitude avec les propriétaires de la parcelle cadastrée 182. Merci, monsieur le maire. Suite à la vente d'un terrain, il a paru nécessaire de formaliser par le biais d'une convention une servitude de passage sur un terrain situé à Cazaudet afin de permettre l'entretien d'un réseau d'eau pluviale. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention s'il a annexé, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention et tout document se rapportant à ce dossier, de dire que cette convention de servitude pourra être régularisée en vue de sa publication au bureau des hypothèques par acte authentique pour le compte de la ville devant l'étude notariale manière maison Cazaudet. Notamment aux frais de la ville. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ? Non, pas de vote contre, pas d'abstention. Merci, unanimité. Convention pour la fourniture de repas à la communauté d'agglomération de Brive, M. Jean-Paul Avril. Merci, M. le maire. La CABB19 et la ville de Malemort sont liées depuis 5 ans par une convention pour la fourniture de repas à l'ALSH de Jujal-Nazareth pendant les vacances scolaires. Cette convention est arrivée à échéance le 31 décembre. Il est apparu opportun aux deux signataires de la renouveler. Il s'agit de 25 à 40 repas par jour. Le prix est fixé à 5 euros pour les enfants, 5,44 euros pour les adultes et ces prix sont susceptibles d'évaluer par commun accord. La convention est proposée pour un an, renouvelable 4 fois, et il vous est proposé d'approuver cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document la concernant. Merci. Merci, Jean-Paul Avril. Des remarques ? Non ? Pas de questions, pas de remarques. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Unanimité. Merci. Monsieur Mathias Mazeron, création d'emplois pour accroissement saisonnier d'activité pour le temps extrascolaire. Il va sûrement nous le dire. Grande nouveauté, c'est-à-dire que nous allons passer cette délibération jusqu'aux vacances de Noël pour nous éviter à tous les conseils municipaux de dire à chaque fois la même. On va y arriver. Ferme-le et passe par notre micro. Voilà, tac. Et tu prends le micro à ta collègue. Merci. Merci. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, création d'emplois pour accroissement saisonnier d'activité sur le temps extrascolaire. Donc, comme pour chaque période de vacances et en fonction des effectifs prévisibles dans les accueils de loisirs sans hébergement, il doit être fait appel à du personnel saisonnier afin de respecter les taux d'encadrement. Donc, ces créations, comme d'habitude, seront selon une prévision d'accueil maximum et pour avoir une souplesse dans la gestion des postes, mais que le recrutement n'interviendra qu'en fonction des réels besoins et selon les crédits ouverts au budget. Donc, au vu de tous les articles des collectivités, de la fonction publique et du budget communal, et leurs articles listés ci-dessous, considérant le tableau des effectifs de la ville, considérant la nécessité de renforcer les services municipaux durant la période des prochaines vacances, et comme vous l'a dit M. le maire, donc cette fois-ci des vacances de printemps, d'été, de Toussaint et de Noël 2022, donc les 4 périodes de vacances, pour les activités
extrascolaires dans le cadre de l'accueil de loisirs sans hébergement. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à recruter les agents contractuels à temps complet pour assurer l'animation et l'encadrement des enfants sur le service périscolaire et extrascolaire et assigner les contrats de recrutement correspondants pour les emplois comme suit. Donc, vous avez une ligne par période de vacances sur les quatre, donc, avec donc trois emplois à chaque fois prévisionnels maximum. Donc, et de fixer la rémunération des agents sur la base du premier échelon de grade, de dire que les dépenses correspondantes sont inscrites au chapitre 12, article 64-131 au budget 2021 et sont prévues au budget 2022. Merci, Monsieur Mazeron. Est-ce qu'il y a des remarques ? Oui, Monsieur Filippi. Pas sur le fond. N'ayez crainte, pas sur le fond. Juste simplement pour vous dire que il y a un principe en droit qui est l'unicité du territoire, qui veut que normalement ce qui s'applique à un endroit s'applique ailleurs de la même manière. Et vous proposez ce soir une délibération qui acte à la création des postes sur finalement l'ensemble de l'année. On a cette chance en Basse-Corrèze, parce qu'en d'autres endroits de la Corrèze et dans d'autres départements, il est demandé d'autres principes, toujours par l'État. Donc finalement, c'est comique de voir que l'État, qui est pour l'unicité du territoire, demande finalement des procédures différentes selon les communes. Merci, je relèverai juste... pas sur le fond. Hein. Je note la Corrèze du Sud plutôt que la Basse-Corrèze. Oui. Parfait, pas d'autres remarques ? Pas de vote contre, pas d'abstention. Mathias Mazeron, attribution d'une subvention exceptionnelle, projet scolaire. Oui, merci Monsieur le maire. Donc il s'agit d'un projet scolaire sur l'école de la Grande Borie maternelle qui sollicite une subvention pour un projet qui a été donc reporté deux années de suite en raison de la pandémie de la Covid. C'est un projet cirque qui s'inscrit dans le projet d'école globale dont l'objectif est de développer l'expression artistique et corporelle chez l'enfant avec les intervenants de la troupe Cusico. Il s'adresse à toutes les écoles, des petites sections aux grandes sections. Le coût total de ce séjour, de ce projet plus exactement, s'élève à 2833 euros. Le projet sera mené d'avril à juin 2022 pour 91 élèves. Il est proposé au conseil municipal d'accorder une subvention à la coopérative de l'école Grande Borie maternelle à hauteur de 30% du coût total dans la limite fixée à 850 euros et de dire que les crédits seront inscrits au budget sous réserve du vote du budget 2022 par le conseil municipal. Les arts du cirque sont donc mis encore à l'honneur dans notre commune de Malemort et vous informez que nous continuerons puisque dès le mois de septembre, le cirque à Marc avec un nouveau spectacle refera son apparition sur notre commune de Malemort et nous sommes en train de travailler avec Cap Floyd, qui est le directeur du cirque à Marc, pour que justement nos jeunes et nos enfants soient sensibilisés aux arts du cirque. Pas de remarques ? Pas de questions ? Unanimité ? Merci. Attribution d'une subvention exceptionnelle, projet scolaire. Mathias Mazeron. Oui, là aussi, un autre projet scolaire. Les taux du Covid se desserrant, les projets arrivent. Donc, sur Pumaré, cette fois-ci, qui sollicite une subvention exceptionnelle pour un projet de classe découverte. Là, c'est une vraie sortie, montagne cantalienne. Il s'adresse à trois classes de cycle élémentaire, CE2, CM1 et CM2. Le projet aura lieu en juin 2022 pour 58 élèves. Le coût total du séjour s'élève à 6182 euros, soit 106,60 euros par élève. L'association des parents d'élèves et la coopérative de l'école prennent à leur charge 16,71% du budget global. La part restant à charge des familles est de 72 euros par élève. Il est proposé au conseil municipal d'accorder une subvention à la coopérative de l'école de Pumaré à hauteur de 18,76% du coût global dans la limite fixée à 1160 euros, soit une aide aux familles à hauteur de 20 euros par enfant sur leur part restant à financer. Il est proposé au conseil municipal d'accorder une subvention à la coopérative donc de l'école Pumaré primaire à hauteur de 18,76% du coût total et dans la limite de 1160 euros.
et de dire que les crédits seront inscrits au budget, sous réserve toujours du vote du budget 2022 par le conseil municipal. On est obligé de s'engager un petit peu avant la votation du budget pour des problèmes de réservation. Voilà. Merci. Pas de remarques, pas de vote contre, pas d'abstention. Les montagnes cantaliennes seront donc ouvertes au petit Malmortois. Renouvellement de la convention de partenariat avec le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine pour le dispositif Destination 2022-2023. Mathias Mazeron, il parlera bien près du micro. Alors, renouvellement donc de la convention annuelle avec le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine pour le dispositif Destination. Donc, cette convention, valable pour une durée d'un an, a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et la commune de Malemort concernant la mise en œuvre du dispositif Destination. Ce dispositif a pour objectif de favoriser l'autonomie, la mobilité et la responsabilité des groupes de jeunes dont le cadre premier, dans le cadre premier d'un premier départ en vacances sans encadrement. Les publics concernés par cette action sont de 16 à 25 ans. Le but, c'est en fait d'accompagner dans leur démarche, par le service de jeunesse. Les jeunes regroupés par 2 à 6 personnes maximum doivent être en totale autonomie. Donc, ils doivent préparer leur séjour, ils doivent organiser et prévoir tous les aspects logistiques de leur séjour, les modes d'hébergement, les transports, l'alimentation, l'activité. C'est le but éducatif poursuivi. Les projets des jeunes seront présentés à un jury régional qui pourra leur attribuer ces fameux PAC, un par jeune. Ces PAC sont constitués de chèques vacances ou d'une carte bancaire d'une valeur de 130 euros pour les séjours en France et de 250 euros pour les séjours en Europe. Le conseil régional prend en charge l'intégralité des coûts de ce dispositif ainsi que les coûts de formation auprès de nos animateurs. Lors de la délibération du 9 juillet 2018, la commune avait décidé d'apporter une aide complémentaire de 50 euros par jeune accordée uniquement aux Malmortois dans le cadre du dispositif Destination pour les séjours organisés en France et en Europe. Considérant que la commune a limité cette action à un public de 18 à 25 ans, ne souhaitant pas, pour des raisons de responsabilité juridique, favoriser le départ de mineurs en autonomie. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention dans les conditions décrites dans ce document ci annexé. Merci, Monsieur Mazeron. Est-ce qu'il y a des remarques ? Aucune. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Monsieur Patrice Primo, adhésion à l'association Les Croqueurs de Pommes de la Corrèze, à quelques heures des présidentielles, n'y voyez bien sûr aucun clin d'œil. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la municipalité a pour projet la création d'un verger municipal et que cette association est susceptible de nous apporter une aide technique pour en étudier la faisabilité et la mise en place, elle pourra également nous proposer des actions à visée pédagogique et les espèces locales à utiliser et à favoriser. La mise en place de ce verger pourrait intervenir en 2023 avec la coopération du lycée horticole de Voutezac. Le lieu d'implantation envisagé est situé au Gourd. Considérant que le prix de l'adhésion annuelle est fixé à 30 euros pour l'année 2022, il est donc proposé au conseil municipal d'adhérer à l'association Les Croqueurs de Pommes de la Corrèze, de dire que le renouvellement annuel de cette adhésion sera effectué par Monsieur le maire. Merci. Des remarques ? Oui, je vous écoute. Bien sûr, nous sommes ravis pour cette adhésion des croqueurs de pommes, sachant que nous avions un verger communal, vous savez, rue Corrèze, qui a été vendu. Il y avait quand même des pommiers. Non, pommiers. Nous n'avions pas un verger communal. Alors sur ce terrain, à qui appartenaient ces pommiers, si c'était un terrain communal ? C'était un terrain communal où il y avait des pommiers. Mais de là à l'appeler un verger communal, oui, ça va un peu loin. Oui. Parce que vous allez voir dans quelques mois ce que c'est un verger communal, puisque Malemort va se doter d'un vrai verger communal. Où nous allons faire implanter des pommiers, expliquer à nos administrés comment tailler des arbres. Mais nous allons aussi avoir un partenariat avec le Rotary Club,
où nous allons mettre en exergue des ruches et la vie des abeilles. Puisque, alors je vais un peu loin, vous voulez vous l'annoncer dans quelques semaines, mais ça va tellement vite, les écoles malmortoises, chaque école malmortoise aura une ruche qu'ils vont pouvoir décorer, une ruche dans laquelle ils vont pouvoir s'identifier, aller voir l'évolution, travailler avec des associations, récolter le miel, dans un verger communal, réellement, pédagogique, qui sera situé juste en face des jardins familiaux, ce terrain que nous venons de nettoyer. Et ce ne sera pas un pré où va être planté quelques arbres fruitiers, mais ça va être vraiment un lieu d'échange, de rencontre pédagogique, dédié essentiellement à nos enfants. Donc Malmort va avoir un vrai verger communal digne de ce nom. Ce soir, c'est un conseil municipal tout vert. Oui. Merci pour toutes ces précisions. C'était quand même très utile au niveau des ruches, des enfants, de la pédagogie. Merci. On vous fera une présentation un peu plus poussée dans les prochaines semaines. Le projet est en train de se monter, mais ça va être un vrai beau projet. La biodiversité, les insectes sont des choses importantes qu'il va falloir retrouver et réexpliquer, et expliquer toujours et encore à nos enfants qu'il faut protéger ces insectes. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques, pas de vote contre, pas d'abstention. Et je passe la parole pour le sport à monsieur Stéphane Serre, notre merci, Gérard Holtz. Convention avec l'association Tour du Limousin, organisation. Considérant que la commune de Malmort a été choisie pour accueillir l'arrivée de la troisième étape de la 55e édition du Tour du Limousin le 18 août 2022. Considérant que l'organisme en charge de l'organisation de cet événement, l'association Tour du Limousin Organisation, nous a transmis un projet de convention précisant les modalités d'organisation et les obligations de chaque partie. Considérant qu'une participation financière est requise, elle sera prise en charge sous la forme d'une subvention versée par Malmort Organisation, 17 000 euros, et par la communauté d'agglomération du bassin de Brive, 6 000 euros. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention pour l'accueil de l'arrivée de la troisième étape de la 55e édition du Tour du Limousin le jeudi 18 août 2022 avec l'association Tour du Limousin d'organisation. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. Et vous avez en annexe la convention. Merci. Donc, le Tour du Limousin, l'arrivée du Tour du Limousin à Malmort. Je dois signaler que je serai obligé de prendre la petite guitoune de Madame Christiane Dorménil, qui a l'habitude de l'avoir au rugby à Malmort, mais je souhaitais lui faire ce clin d'œil pour lui souhaiter un bon anniversaire. Oui, Monsieur Labourie, vous vouliez aussi souhaiter un bon anniversaire à Madame Dorménil. Bien sûr. Sans problème. Plus sérieusement, Monsieur le maire, effectivement, nous sommes tout à fait d'accord pour le Tour du Limousin sur Malmort. Par contre, on aimerait savoir éventuellement si vous connaissez les retombées qu'il pourrait y avoir. Si vous avez évalué les retombées qu'il pourrait y avoir. Je crois savoir quand même que tous les soirs, des coureurs et les suiveurs sont rapatriés tous sur Limoges. Ah, c'est le sujet. Voilà. Il n'y en a aucun qui ne reste sur place. Mais pas uniquement Malmort. Ah oui, sur l'ensemble des étapes. Donc, à part cela, effectivement, à part les retombées télévisuelles, peut-être. Alors, c'est bon ? Oui. Oui. Alors, oui, les retombées économiques, hormis du monde qui va venir sur le parcours toute la journée, puisque les coureurs vont faire une première boucle. Alors, je vous le fais de tête, je ne m'attendais pas à une question là-dessus.
une première boucle qui devrait rentrer dans Malemort et passer aux alentours des 13h, donc hors prise d'antenne de l'équipe TV. L'équipe TV, Stéphane, tu te rappelles combien de téléspectateurs ? C'est 2 heures avant l'arrivée donc, que l'équipe TV prend l'antenne. Donc, il y a un circuit et une boucle après dans Malemort. L'équipe TV, c'est un peu plus d'1 million. Il me semble 1,3 million de téléspectateurs qui vont suivre l'arrivée sur Malemort. C'est des camping-cars qui arrivent aussi la veille au soir et il y a beaucoup de monde qui suit cette arrivée du Tour du Limousin. Un focus bien sûr sur la presse régionale et sur la presse locale. C'est aussi de travailler avec les associations locales sur l'organisation. Stéphane, est-ce que j'ai oublié autre chose ? Prends le micro. Vas-y, allume. Vas-y, vas-y. Les hôtels Malemortois vont être sollicités quand même par l'organisation. Par toute l'équipe d'organisation va dormir sur Malemort, quand même, une bonne partie. Parce que ça démarre à 6h le matin, donc il faut qu'ils soient sur place pour démarrer à 6h. Voilà, l'organisation couche sur place, mais les coureurs, eux, remontent tous à Limoges. Voilà. Donc, il y aura un impact économique, bien sûr, sur la commune et aussi un attrait sportif, parce que sinon, on ne fait plus rien. Et voilà. Pas de questions, pas de remarques, unanimité, même pour l'anniversaire. Création d'une commission ad hoc usine hydroélectrique. Vous le savez, l'usine hydroélectrique de Malemort, située juste à côté du dojo, est une ruine depuis de nombreuses années et gâche le paysage des Malemortois depuis 30 à 40 ans. Il est de notre devoir de transmettre et de faire évoluer. Et c'est pour ça qu'il a été décidé, et vous en aviez posé une question, M. Philippi, il y a maintenant quelques mois, sur cette vente possible. Vous annoncez que cette vente va bien avoir lieu, mais comme les collectivités peuvent le faire, nous ne sommes pas obligés de vendre à tout prix, et nous vendrons à un porteur de projet. Avec un projet viable, un projet viable techniquement, un projet viable financièrement et un projet qui peut apporter à notre commune. Je vous propose donc de créer cette commission ad hoc avec un collège d'élus, votre serviteur, M. Alain Rigou, Mme Florence Duclos, M. Christian Manière, M. Eddy Marcos et M. Jean-François Laborie, ainsi qu'un collège de techniciens, Frédéric Gauthier, le directeur général des services, le directeur financier Guillaume Célérier et Philippe Brugia, le directeur du service technique. Aujourd'hui, 3 compétiteurs sont sur la ligne de départ. Nous en avions 11. J'ai fait le choix de n'en sélectionner que 3. J'ai enlevé, pour être franc avec vous, les projets non viables. Je le dis aussi et je l'assume, des projets qui ne correspondaient pas à ce qu'on ne pouvait attendre centre-ville face au Tour de Montemar et non loin des Tours de Brenich. Je ne me voyais mal mettre un Xème chinois dans ce lieu ou un vendeur oriental. Je pense qu'un centre-ville dans un lieu classé, nous devons respecter les bâtiments de France. Ce n'est pas juste des bâtiments et des pierres, c'est aussi une histoire que nous devons transmettre. C'est pour ça que les projets que nous avons sont aujourd'hui au nombre de 3. Le SIAV, qui gère l'entretien des berges de la Vézère et ses affluents, donc qui verraient ici leur bureau. Une petite zone d'exposition à l'entrée sur le cycle de l'eau. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet est un pub irlandais. Alors, irlandais,
parlons bien français, mais un pub. Et le troisième projet qui se présente à nous sera un restaurant-brasserie viande limousine. Voilà donc les trois projets qui vont être présentés le 26 avril à cette commission. À la suite de cette commission, bien sûr, il y aura un gagnant et il devra de suite travailler avec les bureaux d'études pour le centre-ville pour que ces travaux se passent en totale harmonie, en totale cohérence. Là aussi, c'est un projet important pour notre commune parce que c'est un site qui est joli, qui doit être mis en valeur. Et dans le futur projet centre-ville, il sera dans un endroit arboré et bordé de notre rivière Corrèze, mais aussi de la voie verte. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce beau projet qui, je l'espère, va naître ? Monsieur Philippi. Si Jean-François Laborie venait à être absent pour X raisons lorsque vous auriez cette commission, est-ce que je peux le suppléer ? Ah ben bien sûr, sans aucun problème. Sans aucun problème. D'autres remarques, d'autres questions ? Merci, pas de vote contre, pas d'abstention. Unanimité, merci. Décidément, la soirée est faite de décisions lourde pour l'avenir de notre commune, mais lourde en tant qu'effet et non lourde financièrement, puisque je vous propose ce soir la création d'un service de police municipale sur la commune de Malemort. Permettez-moi de vous rappeler quelques éléments depuis quelques années, et entre autres sous la mandature de Frédéric Meunier et sous la mandature de Jean-Paul Avril, qui avait, et je voudrais leur rendre hommage à l'un et à l'autre, ouvert les premières portes de ce que je vous propose de décider ce soir. Car en 2017, c'est un ASVP qui est recruté dans notre commune de Malemort et quelques années après, un deuxième verra le jour dans notre commune. Le 21 octobre 2021, délibération du conseil municipal avec la création de deux emplois. Ces deux emplois, et je voudrais vous remercier, cette délibération a été votée à l'unanimité. C'était un emploi de gardien brigadier de police municipale à temps complet et un emploi de brigadier chef principal de la police municipale. Les deux, et je voudrais encore les féliciter ce soir, ont réussi le concours de la police municipale. S'ils n'avaient pas réussi le concours de la police municipale, nous n'aurions pas cette délibération ce soir. Le 10 janvier 2022, nous avons eu l'agrément de Madame la préfète de la Corrèze. Le 27 janvier 2022, nous avons eu, avec le directeur général des services, et je voudrais ici publiquement le remercier pour le travail fort qu'il réalise depuis des mois sur ce dossier, mais bien d'autres. Nous avons travaillé sur la convention de coordination qui sera passé après l'approbation par le conseil municipal entre monsieur le maire et la préfète de la Corrèze. Nous avons fait un travail sur l'élaboration du règlement intérieur et la délibération à prendre en conseil. Cette délibération, mais c'est aussi un long cheminement. Jean-Paul Avril, notre ancien maire, avait lancé une convention avec la gendarmerie, gratuitement. Jean-Paul était un visionnaire et connaissant l'appétence qu'il a pour les finances publiques, le mot gratuit résonne bien dans sa tête, pour une participation d'une charte citoyenne avec la gendarmerie en 2019. Nous avions été encore un peu plus loin, puisqu'en février, le 10 février 2022, nous avions voté la charte de voisins vigilants, complémentaire de la charte que Jean-Paul avait votée. Le 11 février, nous nous sommes rendus au tribunal pour l'assermentation par Madame la procureure du tribunal de Brive de ces deux agents.
Le 15 mars 2022, nous avons eu un avis favorable du comité technique de Malemort. Le 29 mars 2022, un avis favorable de la commission finances et ressources humaines de la commune de Malemort. C'est pour ça que ce soir, je vous propose la création du service de police municipale placé sous l'autorité de Monsieur le maire, officier de police judiciaire. Je voudrais aussi vous dire que sur ce long cheminant et ce gros travail, nous travaillons en étroite collaboration avec Madame la procureure de la République et nous avons tenu avec elle une certaine ligne et justement, elle nous a demandé d'avoir une uniformité sur le territoire, que ce soit en termes de tenue, mais aussi en termes d'armement, puisque cette police municipale sera armée. Il nous paraissait, avec Madame la procureure de la République, avec Madame la préfète, et ainsi avec l'ensemble des corps de gendarmerie, mais aussi de police, que d'un côté de la Loire, les policiers municipaux soient armés, et de l'autre côté, côté Plaine de Jeu, ils ne le soient pas. C'est pour ça que nous vous proposons cette délibération de la création de la police municipale ce soir, police municipale de Malemort, qui ne bougera pas en effectif, c'est le fait que nos ASVP puissent avoir des prérogatives supplémentaires. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Monsieur Marchoux. Oui, vous m'entendez? Oui. Je vous fais part donc d'un résumé des échanges que nous avons eus dans le groupe d'opposition, d'ailleurs auquel a été associée donc l'association Malemort Autrement, donc des échanges que nous avons eus au sujet de cette délibération et de la décision qui en découle pour notre part. Donc, mesdames, messieurs, nous sommes évidemment tous soucieux de la sécurité et de la tranquillité des Malemortoises et des Malemortois. Et en l'absence d'une gendarmerie sur le territoire de la commune, nous avons voté, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, au dernier trimestre de l'année 2021, pour la création des deux postes de policiers municipaux. Mais depuis, à la satisfaction de tous, notre commune a vu l'arrivée d'un accueil de gendarmerie. Accueil de gendarmerie qui, si nous avons bien compris, devrait évoluer à terme vers une gendarmerie à part entière. Nous sommes d'autant plus satisfaits que nous sommes très attachés à ce que la sécurité des biens et des personnes soit assuré par un service d'État aux frais de l'État. Je pense que nous pouvons tous nous accorder sur le fait qu'il est inadmissible que notre canton n'ait pas de gendarmerie. Donc cette délibération prévoit une augmentation des effectifs de la police municipale à terme pour atteindre, si nous avons bien compris, un effectif de 5 fonctionnaires, soit un impact budgétaire non négligeable pour la commune. Un impact budgétaire non négligeable pour pallier la défaillance de l'État en termes de sécurité des citoyens. Nous apprenons qu'il s'agira d'une police municipale armée, avec entre autres des pistolets semi-automatiques, soit un surcoût important lié aux équipements et à la formation, évidemment, associée pour le maniement de ces armes. Par ailleurs, nous considérons que les missions de proximité qui incombent à la police municipale ne nécessitent pas de tels équipements. En conséquence, nous avons décidé de voter contre cette délibération, car à notre sens, la nouveauté liée à la gendarmerie fait qu'il n'est pas nécessaire de recruter de nouveaux agents de police municipale, et que la nouveauté liée à l'arrivée de la gendarmerie fait qu'il n'est pas nécessaire d'engager certaines dépenses liées à l'armement de nos agents. Merci. Juste 2-3 éléments de langage. Lorsque vous dites que la gendarmerie devrait arriver à Malemort, pourrait. Aujourd'hui, c'est un accueil de gendarmerie que nous avons à Malemort et non une vraie gendarmerie digne de ce nom. Lorsque vous parlez de recrutement,
je l'ai dit en préambule et je vous le redis, il n'est pas prévu d'embaucher des policiers municipaux à Malemort. Il n'est pas prévu d'embaucher des policiers municipaux à Malemort. Il peut y avoir ponctuellement une aide à l'accueil. Il peut y avoir ponctuellement une aide, mais il n'est pas prévu de recruter de policiers municipaux sur le mandat. Après, mes successeurs, bien sûr, pourront regarder. Quand M. Marchoux, vous dites « Nous ne voyons pas l'intérêt d'avoir une police municipale si nous avons un accueil de gendarmerie ou une gendarmerie. » Ce n'est pas le choix qu'a fait Brive. Monsieur Philippi était élu à l'époque, même s'il y avait eu des votes contre du temps de Bernard Murat, il y a eu après un retour, puisque toutes les délibérations du conseil municipal de Brive, que ce soit la majorité ou l'opposition et la majorité, suivant les différentes mandatures, ont été toutes dans le même sens. Ce n'est pas le cas de Ussel et récemment de Tulle, où Tulle avait, pendant longtemps, le maire Bernard Combes était contre l'existence d'une police municipale, alors que sur leur territoire, il y a la police, mais il y a aussi toute l'administration et tout le service d'enquête judiciaire de la gendarmerie. Ils ont fait le choix d'avoir une police municipale. Je vous le redis, si nos deux agents n'avaient pas eu le concours, nous en serions restés à des ASVP. Sauf que budget égal, paye égale, eh bien, c'est des nouvelles prérogatives que l'on va donner à nos employés. Votre choix est d'être contre. Dont acte. Oui, je vous écoute. Une précision là, donc, sur la phrase. Comment faut-il comprendre la phrase? Dans un premier temps, l'effectif sera de deux agents et évoluera en fonction des effectifs à atteindre. Voilà, c'est-à-dire que comme toute délibération, nous prévoyons un jour l'avenir pour ne pas revenir en permanence. Maintenant, le maire de Malemort que je suis, il est maire normalement jusqu'en 2026. Mon successeur verra, mais moi pour l'instant, maire de Malemort, nous n'augmenterons pas et nous resterons à deux ASVP qui demain seront des policiers municipaux. Je ne peux pas présager de mon successeur, de mes successeurs. Voilà. Mais une délibération, elle est aussi faite pour l'avenir. Diriger, c'est prévoir, c'est anticiper. Pas d'autres remarques? Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Donc, 5 votes contre et merci. Donc, délibération acceptée. Tableau des effectifs 2022, Madame Florence Duclos. Merci, Monsieur le maire. Donc, le conseil municipal est invité ce soir à se prononcer sur le tableau des emplois budgétaires au 1er janvier 2022. Ce tableau se présente par catégorie, par filière et par grade. Il a évolué sur la base des créations ou suppressions d'emplois adoptées par ce conseil municipal au cours de l'année 2021, ainsi que de tous les recrutements intervenus. C'est ainsi que l'on constate au 1er janvier 2022 les effectifs suivants. En emploi permanent, 97 personnes, soit 91,74 en équivalent temps plein. Les emplois non permanents, 18 personnes, correspondant à 12,64 équivalent temps plein, soit un total de 115 personnes pour 104 équivalents temps plein, 38, pardon, excusez-moi.
Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le tableau des effectifs. Oui. Oui, on votera pour, hein, il n'y a pas de souci, mais juste l'année dernière, on vous avait demandé l'organigramme des services. Est-ce qu'il serait possible également cette année de l'avoir ? Alors oui, il a suivi un petit lifting par rapport aux différents recrutements que nous attendons là, puisque nous avons, on verra juste après. Donc bien évidemment, dès qu'il est finalisé, on vous le transmet. Merci. Donc en l'absence du maire, je vais sur la lancée vous proposer de voter cette délibération. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Je vais enchaîner. Création d'emplois. Donc, il vous est proposé ce soir de créer des emplois de différents grades pour procéder en fait au remplacement du chef de service urbanisme qui est employé chez nous à mi-temps et qui vient d'avoir son concours, d'obtenir son concours, et du dessinateur maîtreur engagé lui à temps complet. Donc, la procédure de recrutement vient d'être lancée et nous ne connaissons pas encore les grades des candidats qui pourraient être retenus. C'est pourquoi il vous est proposé d'élargir les possibilités de recrutement, étant bien évidemment entendu que les postes qui ne seront pas pourvus feront l'objet d'une suppression après avis du comité syndical. Donc je vais soumettre à votre approbation cette délibération. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Écoutez, je vous remercie. Donc je vais me permettre de continuer puisqu'on est sur la partie RH. Droit à la formation des élus, Madame Falzon. Merci. Un tableau récapitulant les formations ayant été effectuées et financées par la collectivité doit être réalisé et annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Ce débat annuel permet de fixer éventuellement les nouvelles orientations de la formation des élus et de débattre des crédits consacrés à la formation. Pour l'année 2021, il n'y a pas eu de dépenses. Pour l'année 2022, le budget consacré à la formation des élus de Malemort s'élève à 2000 euros en privilégiant les thèmes retenus en début de mandat. Le conseil municipal est invité à en débattre. Et des observations ? Des abstentions, des votes contre. Mais je vous remercie. Médecine préventive, Madame Fabienne Benoît. Merci, Madame Duclos. Chaque collectivité doit disposer d'un service de médecine professionnelle et préventive. Cette obligation peut être satisfaite par l'adhésion à un service créé par un centre de formation. Considérant que le centre de gestion de la Corrèze a renouvelé la signature d'une convention de partenariat portant sur l'adhésion à un service de santé au travail inter-entreprise, l'AIST 19, et propose à la collectivité d'adhérer à ce service. Il est demandé au conseil municipal d'y adhérer, d'approuver les termes de la convention de partenariat et d'autoriser le maire à signer la convention avec le centre de gestion de la Corrèze. Y a-t-il des observations, des questions ? Abstention ? Vote contre ? Merci. Bon, attendez que je m'y retrouve. Je reprends mon ordre du jour. Personnel. Ah, convention d'accueil d'un bénévole. Monsieur Vergniol. Merci, Madame Duclos. La collectivité est régulièrement sollicitée par des administrés qui souhaitent participer au service public. Stagiaires sans convention tripartite, aide à la mise en place de manifestations, participation à un événement, etc., sans contrepartie financière. Afin d'encadrer leur accueil dans un cadre normal, lors de diverses activités, encadrement des activités périscolaires ou extrascolaires, animation culturelle, fêtes locales, manifestations, etc., mais également dans des situations d'urgence. Il est proposé au conseil municipal cette délibération à laquelle est joint un projet de convention d'accueil des bénévoles de se prononcer sur la mise en place de cette convention d'accueil d'un bénévole
de fixer les conditions de présence et d'activité du bénévole au sein des services de la collectivité, conformément aux dispositions du modèle de convention jointe en annexe, d'autoriser M. le maire à signer cette convention pour la durée de la mission, ainsi que les éventuels avenants y afférents. Merci. Merci, M. Vergniaud. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur cette délibération ? Non ? Passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Unanimité. Merci. Nous rentrons dans le gros du sujet de la soirée. Madame Duclos, prenez un verre d'eau. Approbation du compte de gestion de trésorerie 2021. Florence Duclos. Monsieur le maire, donc le trésorier établit un compte de gestion par budget. Ce document retrace les opérations budgétaires selon une présentation analogue à celle du conseil administratif. Le conseil municipal doit donc se prononcer sur la concordance des comptes et sur le compte de gestion de monsieur le trésorier. Il vous est donc proposé de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ? Non. Passe au vote. Pas d'abstention, pas de vote contre. Examen et vote du compte administratif. Je me retirerai bien sûr et j'élirai comme présidente Madame Florence Duclos. Merci Monsieur le maire. Donc le vote du compte administratif, sur ce, on vous a repris quelques éléments de définition du compte administratif où en fait on vous précise que ce compte administratif rend compte annuellement des opérations budgétaires exécutées, c'est en quelque sorte le bilan. Il est constitué de deux sections, fonctionnement et investissement, et contrairement au budget primitif, il n'y a pas d'obligation d'équilibre pour ce document. On le passera en revue. On vous précise que la section de fonctionnement retrace toutes les recettes et les dépenses de la gestion courante de la collectivité, et que la section d'investissement retrace les programmes d'investissement en cours ou à venir. Une présentation synthétique, donc avec les grandes deux fonctions, sections, fonctionnement et investissement, chacun reprenant leurs recettes et leurs dépenses. Les dépenses, quant à elles, se sont élevées à 7 333 000 euros en fonctionnement et 5 789 000 euros en investissement, pour un total de 13 122 000 euros. Les recettes se sont élevées quant à elles à 10 657 000 euros en fonctionnement et 3 677 000 euros en investissement pour un total de 14 334 000 euros. La différence entre les recettes et les dépenses fait apparaître l'excédent disponible pour 2022, à savoir un montant de 1 212 768 euros. Donc ce compte administratif 2021, il se caractérise principalement par la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Elles ont été contenues à plus 0,9% par rapport à 2019. C'est l'année que nous avons décidé de prendre comme référence, puisque 2020 avait quand même été largement impacté par la crise sanitaire liée à la Covid. Un compte administratif qui dégage un autofinancement important, à savoir 1,4 million d'euros. La poursuite de notre désendettement pour 1,1 million d'euros cette année. Et donc un excédent disponible encore important cette année pour plus d'un million d'euros. Donc cet excédent d'un million d'euros, il s'explique par des économies réalisées par rapport aux prévisions du budget primitif sur l'ensemble des charges de gestion, plus de 150 000 euros. Les dépenses prévues que nous avions fixées à 100 000 euros cette année liées à la crise Covid et que nous n'avons pas utilisées. Et parallèlement à ça, des gains sur les recettes que nous avions prévues et notamment les droits de mutation et la TLPE pour plus de 240 000 euros. Et des participations supplémentaires pour 66 000 euros qui sont principalement liées
au versement de la CAF sur nos activités extrascolaires. Ici, vous avez en fait la répartition des différentes dépenses réelles de fonctionnement. Elles ont donc un total de 6 734 000 euros. Alors, les charges à caractère général, c'est un peu plus d'1,7 million, enregistrent en fait les dépenses nécessaires à l'activité de nos services et représentent un quart de nos dépenses. Cette année, les principaux postes ont été en fait les fluides pour 440 000 euros. À noter, on en a parlé et on en reparlera, une augmentation du coût de l'énergie pour 18% en 2021. On a aussi dépensé plus de 200 000 euros pour les denrées alimentaires et 205 000 euros pour les prestations d'entretien des réseaux et 85 000 euros pour la maintenance. Des dépenses de personnel qui avaient été estimées à 4 millions, presque 4 millions 2 et nous avons réalisé 4 141 000 euros, soit une baisse de un peu plus de 50 000 euros. Et ça, c'est principalement lié à une parfaite anticipation et une très très bonne gestion en fait sur les remplacements de nos agents absents et notamment sur le Covid. La partie atténuation des produits, c'est le fonds de péréquation intercommunale et communale payé à l'agglo qui reste stable. Ce chapitre comporte aussi normalement les pénalités SRU et cette année encore nous avons pu les neutraliser. L'ensemble des autres charges de gestion courante, en fait 8%, en fait c'est là où nous retrouvons toutes nos participations obligatoires, nos frais de scolarité aux communes extérieures, les subventions à nos associations, les versements au CCAS, et cette année, pour la première fois, le versement d'une subvention à Malmor Organisation, qui est la régie autonome qui a été créée pour animer et développer la politique culturelle et d'animation. Donc, je tiens quand même à préciser, nous le verrons un petit peu plus tard, que c'est une opération qui reste neutre pour la collectivité, puisque les dépenses engagées verront leur contrepartie dans les recettes que nous recevons pour les remboursements de Malmor Organisation. Pour finir, les charges financières. Mais les intérêts de la dette ont été encore en baisse cette année puisque la commune a encore très très peu emprunté. Les recettes réelles de fonctionnement, vous y voyez ici les répartitions. Au total, plus de 9,2 millions d'euros sont des recettes réelles de fonctionnement qui sont en progression de 4,4% par rapport à 2019. Les produits des services et des domaines, donc, qui enregistrent toutes les redevances de nos services, légèrement en dessous de nos prévisions. Alors, c'est vrai que nous avons eu un mois de fermeture sur la LSH. Et puis, au moment de la recrudescence des cas Covid, beaucoup d'enfants ont manqué, les classes fermées, donc des absences énormes en restauration scolaire. Les autres produits, pour 2%, enregistrent les revenus des immeubles et des locations de salles. Les participations, pour 1 127 000 euros, ils correspondent effectivement aux participations des communes extérieures pour la scolarité et notamment, je le disais aussi, de la CAF pour les LSH. La DGF en diminution encore cette année de 5%. Les droits de mutation pour 379 000 euros, pardon, une année que nous pourrions considérer comme une année record. Et la TLPE, plutôt stable, qui se stabilise par rapport à l'année dernière. Les dotations de l'agglo, qui sont stables pour un peu plus d'1,9 million. Pour finir, dans les recettes, les produits de la fiscalité, qui, comme vous le voyez, représentent à peu près la moitié de nos recettes, avec 4 488 000 euros, donc ils restent à peu près stables. Comme vous le savez, nous avons pris l'engagement de ne pas augmenter le taux. Et l'évolution de ces recettes fiscales ne dépend plus que de l'évolution des bases fiscales. C'est la première année aussi qui tient compte de la suppression de la taxe d'habitation et des différents systèmes de compensation. Un petit focus sur notre autofinancement. On commence par les dépenses réelles de fonctionnement pour 6,7 millions.
je vous abrège un petit peu. Des recettes de réel de fonctionnement pour 9,2 millions, ce qui nous donne une capacité d'autofinancement de 2 551 000 euros, auquel, une fois déduit le capital de la dette pour 1 100 000, nous laisse un autofinancement de 1 435 000 euros 215. C'est un niveau d'autofinancement qui reste encore très élevé cette année et que l'on peut considérer comme étant supérieur d'environ 40% à la moyenne nationale des communes de notre strate. Les dépenses réelles d'investissement, donc pour un montant total de 4 813 000 euros, avec des restes à réaliser qui correspondent en fait aux travaux qui se sont terminés début 2022, des remboursements d'emprunt pour 2 112 000 euros cette année, alors petit distinguo, 1 116 000 qui est en fait un remboursement de dette classique, et vous vous en souvenez, nous avions renégocié des prêts, donc un remboursement de 982 000 euros, je vous rappelle qu'il doit nous permettre une économie de 103 000 euros sur la durée résiduelle de nos prêts. Et les dépenses d'équipement pour à peu près la moitié, soit 48%. Alors, ces dépenses d'équipement, vous y retrouvez alors, un total 2021 de 2 318 000 euros. Vous y retrouvez les investissements structurants pour 1 533 000 euros avec l'opération cœur de ville, 889 000 euros. Les équipements sportifs, c'est-à-dire la fin des excurs, le paddle, le City Stade, la LSH, le City Stade, la LSH pour 278 000 euros. Et les investissements récurrents pour 765 000 euros. Où vous retrouvez tous les aménagements urbains, le logement social, les bâtiments et le matériel. Un rappel, alors pour les investissements structurants, ces montants en fait correspondent bien aux tranches financières de l'année et pas au total des opérations. Nos recettes d'investissement pour 3 623 000 euros, avec donc une part de la taxe d'aménagement pour 1%, ce qui représente à peu près 39 000 euros, l'UFC TVA, 264 000 euros, toutes les subventions perçues pour les investissements. En reste à réaliser, ce sont les subventions qui sont notifiées mais qui ne sont pas encore encaissées. L'emprunt contracté en 2021, mais en fait c'est donc l'emprunt dont je viens de parler qui a permis de renégocier nos trois prêts. Et l'affectation du résultat pour 1 221 000 euros. Comme vous le voyez, cette courbe sur notre encours de la dette attend encore diminuer en 2021 pour atteindre cette année 8 567 000 euros, soit un désendettement cette année d'encore un peu plus d'un million d'euros. Je permets d'intervenir sur présentation. Quand vous voulez, monsieur le maire. Sur un désendettement important qui se poursuit depuis 2014. Comme je vous l'ai dit à d'autres séances, il faudra bien sûr s'attendre à une remontée puisque nous allons avoir de gros investissements sur les deux prochaines années. Mais emprunter pour investir pour l'avenir, ça a du sens. Aujourd'hui, c'est le travail de trois maires différents. C'est le travail de long terme qui est en train de payer du travail réalisé par les deux précédentes majorités, mais aussi le travail réalisé par les élus que je souhaite ici remercier. Un désendettement donc important où nous arrivons à 8,5 millions. Si je devais si nous devions nous donner une ligne de conduite, une commune comme la nôtre endettée aux alentours des 10 millions est quelque chose de convenable. Et c'est la ligne que nous allons nous fixer. Je vous rappelle que l'engagement que nous avons pris est de continuer le désendettement de la commune entre le moment où nous sommes arrivés et la prochaine échéance municipale. Donc aujourd'hui,
un désendettement qui était passé sous la barre des 10 millions et aujourd'hui nous nous éloignons avec 8 567 000 euros d'emprunt dans notre commune. C'est une gestion rigoureuse, une gestion que nous avons au jour le jour pour arriver à ces résultats. Et je voudrais remercier aussi les employés de Malemort qui, tous les jours, au quotidien, l'ensemble des chefs de service, des directeurs et des employés qui font un gros travail pour dépenser moins et dépenser mieux. Merci, monsieur le maire. Pour finir, vous avez ici la présentation de l'utilisation en fait, de nos fonds par fonction, c'est-à-dire concrètement, où est affecté l'argent. La majorité des dépenses de fonctionnement en bleu donc, est constituée par les services généraux, le secteur des écoles et de la jeunesse et l'aménagement urbain. Et en investissement, c'est-à-dire les barrettes en marron, l'action économique qui correspond en fait, comme nous en avions décidé, de l'opération Cœur de Ville pour toute sa partie redynamisation économique, et puis le sport et la jeunesse. Voilà, monsieur le maire, j'en ai terminé avec ce résumé. Bien, écoutez, je vais me retirer et je vous laisse la présidence, madame Duclos. Vous posez des questions ? Vous voulez poser des questions, pardon ? Ah, sur un compte administratif, l'opposition s'exprime. Bien sûr. Nous comparons un compte administratif 2021 avec un compte administratif 2020. C'est la démarche qui est la nôtre. Chaque année, on continue. En 2020, les charges de fonctionnement étaient de 6 825 000, j'arrondis aussi, comparé à 6 734 000 aujourd'hui. C'est donc une baisse réelle de 1,3%. Vous nous aviez indiqué que votre volonté, initialement, lors de la présentation du budget primitif, était de diminuer les dépenses de fonctionnement de 4%. À l'époque, nous vous avions dit clairement craindre une posture de communication de votre part, mais vous nous aviez dit qu'il s'agissait d'une réelle volonté de votre équipe. Un objectif atteignable même. Et nous, élus d'opposition, avions pris acte de cet engagement en approuvant le budget primitif. Au final, la maîtrise des dépenses, elle est réelle, elle est même en baisse, mais tout de même éloignée de l'objectif des 4%. Que bizarrement, vous ne rappelez pas. Alors certes, l'opportunité de renégocier des emprunts a généré des dépenses nouvelles qui n'étaient pas prévues, puisqu'on a payé des intérêts. Mais cette charge nouvelle que nous avons votée n'explique pas le delta entre 4% de baisse et 1,3%. De fait, contrairement à l'objectif annoncé, l'effort est réel, mais pas au niveau annoncé lors de notre débat. De même, nous avions trouvé frileux, vous aviez trouvé frileux sur les recettes à l'époque, et nous constatons au final, et c'est tant mieux, que les prévisions de 2021 par rapport au réalisé génèrent 600 000 euros de recettes supplémentaires sans augmentation de la taxe foncière. Pour rappel, lors de la présentation du budget primitif, l'opposition donc avait souscrit à votre projet
Et désormais, constatant que cette baisse n'est pas conforme à ce que vous aviez présenté, nous nous sommes questionnés sur le comportement à tenir. Voter le compte administratif reviendrait à entériner que l'opposition, finalement, n'est pas respectée et qu'elle accepte de ne pas être respectée. Or, monsieur le maire, le conseil municipal n'est pas une chambre d'enregistrement. Vous auriez pu, depuis le mois d'avril, nous tenir avisés des évolutions budgétaires, au moins sur la période avril-décembre. Vous remerciez l'opposition parfois d'être constructive, puis à d'autres occasions, vous nous trouvez idéologues. Nous aurions simplement souhaité que notre approche constructive, lors du vote du budget primitif, soit présente aussi dans la majorité, en nous tenant régulièrement avisés de l'évolution de nos finances. Pour être constructif, il faut être deux. Il faut s'écouter, s'entendre, se respecter, s'informer. Vous auriez pu opter pour une posture humble, mettant en avant que l'objectif initial n'était qu'en partie atteint. Or, tel n'est pas le cas ce soir. Vous ne rappelez pas cet objectif. Vous mettez uniquement en avant la baisse de 1,3%. C'est dommage. Merci. D'autres remarques, d'autres questions ? Non ? Parfait. Merci de valider ces baisses de charges de fonctionnement, peut-être pas à la hauteur que nous pourrions le souhaiter les uns et les autres. Qu'est-ce que ça aurait été si, loin de là d'imaginer, qu'il y ait eu un virus, qu'est-ce que ça aurait été s'il y avait eu une guerre qui aurait pu modifier certaines choses. Bon, heureusement, nous n'avons pas connu tout ça, donc je ne commenterai pas plus loin. Madame Duclos, je vous laisse la présidence et je me retire. Faire sortir ou pas. Donc je soumets à votre approbation le vote de ce compte administratif. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Écoutez, je vous remercie. On va pouvoir rappeler monsieur le maire. Ou pas ? On va lui laisser le temps. Ce que je peux vous proposer, c'est de... Vous pouvez revenir, monsieur le maire ? Merci. Madame Duclos, adoption du bilan des cessions et des acquisitions immobilières pour l'année 2021. Merci, monsieur le maire. Donc, le Code général des collectivités territoriales impose que le bilan annuel des acquisitions et des cessions foncières réalisées par la commune donne lieu à une délibération qui sera annexée au compte administratif. Donc vous avez dans le bilan le récapitulatif des acquisitions pour un montant de 633 746 euros et les cessions pour 160 000 euros. Il vous est donc proposé, chers collègues, d'adopter le bilan des cessions et acquisitions qui vous est présenté. Oui ? Nous voterons pour. Mais nous constatons en définitive que pour créer la place Beaufort, la commune aura dépensé 500 000 d'acquisition, si on fait le delta entre les dépenses et les recettes. Nous aurons aussi supporté les frais de démolition, le goudronnage
la place. C'est une somme. Il faut collectivement nous interroger. À l'exemple de l'intervention que nous avons faite en début de séance lors des acquisitions, si nous ne concentrons pas essentiellement nos actions sur le cœur de ville. Lors de la première réunion de quartier, j'ai sillonné ici ou là, je ne sais pas si vous avez eu le même retour que moi, j'attends le retour de l'ensemble des réunions, mais j'ai eu ce sentiment, parfois, que l'essentiel de l'action d'investissement était sur le cœur de ville et que, sans vouloir mettre autant d'argent, une enveloppe aussi importante ailleurs, certains Malmortois s'estimaient lésés au niveau de leur quartier. Je vous rapporte ce que j'ai entendu, monsieur le maire. D'autres remarques ? Non. On le met aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Délibération. Donc, unanimité. Délibération suivante. Affectation des résultats 2021. Donc, si voilà un tableau récapitulatif, vous voyez que la session de fonctionnement présente un excédent de 3 324 000. La section d'investissement, un déficit de 1 976 000, qui sera repris au budget 2022 au compte 001. Le besoin de financement s'établit à 2 111 000 euros. L'excédent restant pour 1 212 000 euros pourra être affecté en recettes de fonctionnement. Il vous est donc proposé de procéder à l'affectation des résultats comme présenté dans ce tableau. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette affectation de résultats ? Pas de remarques, pas de questions ? Donc je le mets aux voix. Pas d'abstention, pas vote contre, donc unanimité. Merci. Et nous passons donc maintenant au vote du budget primitif 2022. Madame Florence Duclos. Merci, monsieur le maire. Donc ce budget est à peu près conforme à celui que nous avions largement évoqué lors du débat d'orientation budgétaire. C'est un budget qu'on peut qualifier de volontaire, malgré une hausse des matières premières. Une maîtrise des dépenses de fonctionnement qui, nous l'espérons, pourra être contenue à plus 1% par rapport au BP 2021. Mais nous l'avions évoqué, une proposition avec une enveloppe de 200 000 euros que nous souhaitons engager en dépenses imprévues. Nous l'avions évoqué pour pouvoir faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie, ces augmentations qu'on ne maîtrise pas. Pour autant, quand même, l'enveloppe consacrée à l'énergie sur le 011 a été revalorisée à hauteur de 6%. Une présentation synthétique des sections de fonctionnement et d'investissement. Une présentation qui compare BP à BP, mais qui reprend aussi le réalisé de 2021. Comme vous le voyez, c'est un budget qui s'équilibre à 17 790 773 euros. Soit une augmentation de 7% de plus qu'au BP 2021. Donc, concernant nos dépenses de fonctionnement, sur le poste 011, les charges à caractère général, une baisse de 2% qui tient compte en fait du transfert des activités, comme nous le disions, culturelles et d'animation sur le budget de Malmort Organisation. On le retrouvera en transfert sur le compte 65 dans quelques minutes. Les charges de personnel avec une augmentation de 2%. Atténuation des produits, comme vous le voyez, à peu près stable, hein, de 39 à 36 000 euros. Donc des dépenses imprévues, nous venons d'en parler, nous souhaitons y mettre 200 000 euros. Donc le chapitre 65, les associations et c'est toutes nos participations aux associations. Des charges de gestion courantes en augmentation de 9%.
Donc dans ce chapitre, en fait, on va y retrouver l'augmentation que l'on a prévue pour le budget du CCAS. C'est une augmentation éventuelle pour permettre aux bénéficiaires, si leurs besoins augmentaient, et de pouvoir mener de nouvelles actions suite à l'analyse des besoins sociaux que nous avons menés, le cas échéant. De même, une enveloppe pour soutenir les associations qui est en forte progression cette année. Alors, je ne vais pas le développer puisque mes collègues vous présenteront en fin de conseil la délibération. Chapitre 66, ce sont les intérêts de la dette. Ça va poursuivre sa baisse en raison du désendettement de la commune. Donc, une progression des dépenses qui, nous l'espérons, sera limitée à 1%. Au regard des recettes de fonctionnement, donc les produits de services et du domaine, prévus sur une baisse de 8%, donc nous avons tenu compte de la fin des livraisons des repas à Sainte-Féréole, et comme je vous le disais, moins de remboursement de la part de Malemort Organisation en recettes. Un produit fiscal qui augmente sous l'effet de l'actualisation des bases, qui ont été fixées cette année à 3,4%. La commune a fait le choix de maintenir ses taux à leur niveau, donc de ne pas augmenter. Une dotation de l'AGSO qui restera stable. Des droits de mutation et TLPE qui seront légèrement supérieurs au BP 2021. Des participations qui tiennent compte aussi bien de la baisse de la DGF, puisque cette année encore, nous devrions avoir une baisse d'environ 5%. Et les autres produits que nous estimons en baisse 11% et qui tiennent compte là aussi du transfert de la salle de Jean Ferrat, la salle où nous sommes, puisque c'est une des missions de Malemort Organisation de dynamiser aussi l'activité de cette salle, de même que la perte du loyer de la trésorerie. Un petit focus donc sur notre autofinancement prévisionnel avec des dépenses réelles de fonctionnement pour 7 077 000. En face des recettes réelles de fonctionnement de 8 750 000, donc, qui nous laisse une capacité d'autofinancement d'1 674 000 euros. Une fois le remboursement du capital de la dette pour 1 100 000, nous devrions avoir un autofinancement d'environ 574 000 euros. C'est une prévision qui est stable par rapport à celui que nous avons présenté l'année dernière au BP 2021 et il s'additionnera à l'excédent reporté d'1 212 000 euros pour financer nos dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement, donc un remboursement prévu donc en capital de 1 100 000. Et des dépenses d'équipement pour 4 647 000 euros. Donc ce sont en fait les différentes opérations que nous avons présentées au débat d'orientation budgétaire. Et elles sont en hausse par rapport à l'année dernière de 31%. Donc dans ces dépenses d'équipement donc pour 4 648 000 euros, nous retrouvons les investissements structurants pour 3 100 000. Avec l'opération Cœur de Ville pour 1 861 000 euros, la LSH pour 1 032 000 euros, la rénovation énergétique bâtiment, ça sera Jules Ferry pour 122 000 euros, et des investissements récurrents pour 1 544 000 euros. Donc vous y retrouvez les aménagements urbains pour un petit peu moins de 500 000 euros, le scolaire pour 94 000 euros, l'ensemble des bâtiments pour 539 000 euros, du matériel 280 000 euros et le logement social pour 116 000 euros. En face de ces dépenses, des recettes d'investissement pour 4 842 000 d'euros, soit une hausse là aussi de 34%. On va y retrouver bien sûr le FCTVA en progression sous l'effet des dépenses d'équipement que nous avons prévues. Les subventions vont suivre à peu près la même logique. Alors la seule modification que nous avons eue et que nous avons fait le choix de prendre, on en a parlé aussi en commission,
lors du débat d'orientation budgétaire. C'est cet emprunt de 800 000 euros que nous vous allons vous proposer là. En fait, c'est pour devancer notre programme d'emprunt. C'est pour faire face à la remontée des taux, donc pour minimiser le risque financier, bien que nous n'ayons pas besoin actuellement de trésorerie. Mais je pense que c'est effectivement face à la remontée des taux le choix le plus raisonnable. Donc ici, la répartition de nos recettes d'investissement, donc des subventions à hauteur de 16%, un emprunt, nous allons le voir, 10%, les FCVA pour 9%, et donc un autofinancement largement majoritaire pour le financement de nos investissements, puisqu'on est à bien plus de la moitié, 65%. Monsieur le maire en parlait tout à l'heure, la poursuite du désendettement, malgré l'emprunt prévu, la poursuite de notre désendettement, puisque nous envisageons 8 267 000 euros. Pour finir, toujours cette présentation par fonction. Comme vous le voyez, la majorité des dépenses de fonctionnement en bleu, toujours constituées par les services généraux, services des écoles et de la jeunesse et l'aménagement urbain. Et donc, en investissement, la partie orange, où nous voyons donc une grosse part investie dans l'action économique, donc la redynamisation cœur de ville, et le sport et la jeunesse. Voilà, monsieur le maire, j'en ai fini. Merci. Ce budget, donc de ce troisième budget de notre mandature, qui s'élève à 17 790 773 euros, un budget tourné bien sûr vers l'investissement sur notre commune et sur son cœur, essentiellement. Mais si un cœur ne bat pas, c'est toute une commune qui part à la dérive. Donc très fier de lancer ces travaux cœur de ville sous cette mandature. Un budget, oui, qui va de l'avant, comme notre commune. Un budget dynamique où nous sommes confiants dans l'avenir. Nous sommes bien sûr vigilants, mais aussi confiants. Et nous souhaitons aller de l'avant. Et c'est un budget punchy que nous présentons ce soir. Est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires, monsieur Philippi ? Je ne suis pas surpris. Vous n'êtes pas surpris ? Non. Un budget primitif, voyons. En 2022, nous allons être impactés par la hausse des prix. Que ce soit celle afférente à l'alimentation, 7%, nous dit l'INSEE. Ou bien encore celle liée au prix des énergies, chacun peut le voir. Vous nous indiquez avoir retenu une enveloppe de dépenses énergétiques en hausse de 6%. J'espère que vous avez raison. Et vous proposez 200 000 euros de dépenses imprévues au cas où. Malgré ce contexte inflationniste. Vous nous présentez un budget primitif en 2022 de seulement plus 1% de hausse. Alors que dans le même temps, l'INSEE prévoit une inflation de 5% sur la période. Alors j'ai bien entendu, lors de la réunion de quartier, que vous vous dirigiez vers des mesures consistante, par exemple, à réduire l'éclairage public. Mais est-ce que cette mesure, à elle seule, sera suffisante pour globalement rester dans le cadre budgétaire que vous proposez ? En cascade, vous indiquez implicitement que les services municipaux vont devoir réaliser un nouvel effort financier
plus important encore celui que l'année 2021. Nous craignons que, à force, on soit à l'os et que votre volonté ne soit pas réaliste. Au final, quelle crédibilité accorder à cette posture ? Lorsque l'année passée, vous aviez prévu moins 4, vous faites moins 1,3. De même, nous supposons que vous écoutez les différents candidats à l'élection présidentielle, ceux qui ont une chance d'être au second tour, et tous, dans leur programme, tous ou toutes, évoquent une prochaine hausse des salaires du point d'indice de la fonction publique. Vous proposez, vous, de retenir une masse salariale en hausse de seulement 2%. Et encore en tenant compte du glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire de l'avancement des agents. Cette évolution de la masse salariale, vous l'obtenez en diminuant le nombre d'agents, alors même que vous avez créé ce service de police municipale. Ce sont donc, au final, depuis 3 ans, l'ensemble des autres services administratifs, techniques, d'animation, qui se retrouvent impactés. Mais là encore, vous ne le dites pas clairement. Nous aimerions bien connaître quels services, en définitive, sont réellement impactés. Vous, l'homme de la communication, vous êtes pris dans un défaut de communication. Ce qui, au final, laisse à penser qu'il y a opacité. En agissant de la sorte, c'est continuer à nourrir l'idée que tous les élus sont insincères. Et en cascade, cela risque de nourrir l'abstention, voire le vote extrême. Pourtant, lorsque nous vous conseillons d'anticiper un emprunt avant la hausse des taux d'intérêt, vous nous écoutez. Mais votre naturel revient au galop. Ce naturel de la politique politicienne. Cette posture, votre posture, nous conduit à voter contre la présentation de ce budget primitif, alors que nous validons bien volontiers un grand nombre d'investissements pour lesquels nous avons, au travers des délibérations précédentes, approuvé les coûts et les subventions. Par votre posture, vous portez seul la compétence de notre vote. Merci. J'avoue que lors du prochain conseil municipal, je vais faire appel à une couturière pour pas que l'ourlet du pantalon casse, car vous avez fait en quelques délibérations un grand écart extrême. Permettez-moi de revenir en arrière, il y a maintenant 25 minutes, monsieur le maire, dans votre délibération, je vous l'ai guillemets. Vous vous rendez compte, vous risquez d'augmenter le personnel. Nous ne voterons pas la délibération sur la police municipale. 20 minutes après, monsieur le maire, vous risquez de diminuer le personnel. Donc, nous ne voterons pas la délibération du conseil municipal. Ce que vous aimez, c'est la stagnation. Vous aimez que ça ne bouge pas. Vous aimez la gestion au jour le jour. C'est un choix, c'est votre choix. Quand je communique trop. Quand je communique pas assez. Enfin, Et alors,
maintenant, la montagne, écoutez bien, parce que vous avez un scoop. L'abstention et le vote extrême, c'est Laurent Dartout. Ça y est. Maintenant, c'est... Non, mais si vous voulez, on a longtemps cherché d'où venait, quel était ces influenceurs. Eh bien, vraisemblablement, vous en avez trouvé un. Je ne pense pas être l'influenceur du vote contre ou de l'abstention. D'ailleurs, sur le vote contre ou l'abstention, Monsieur Filippi, est-ce qu'aux dernières élections cantonales, vous vous êtes exprimé pour voter contre le Front National quand ils sont présentés face à moi? Non. Il n'y a pas eu de communication, Monsieur Marchoux? Il me semble que lors des dernières élections départementales, lorsque vous avez été sur votre Facebook ou le Facebook de votre leader cantonal, vous n'avez pas appelé à voter contre l'extrême. Eh oui, M. Marchoux, j'ai les copies d'écran. Donc, des postures politiciennes, je n'en ai pas. Me faire le reproche à moi d'être une posture politicienne. Mais merci de me laisser cette belle tribune ce soir, à quelques jours des élections présidentielles. Je communique beaucoup, il paraît, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu un seul article de ma part, juste tweeté, juste écrit, pour donner ma préférence à un candidat ou une candidate ? Je ne fais pas de politique politicienne. Mon parti, c'est Malemort. Lorsque l'on me demande de donner ma signature à tel ou tel candidat, par respect pour la diversité que nous pouvons tous représenter, je ne l'ai pas fait. Mon parti, c'est Malemort. Lorsque je fais attention avec l'argent public, en n'embauchant pas des fonctionnaires pour embaucher des fonctionnaires. Oui, je fais attention. Mon parti, c'est Malemort. Lorsque je m'occupe de la sécurité des Malemortois, oh, sûrement que la gendarmerie est arrivée par le plus grand des hasards. Parce qu'ils sont arrivés un matin, ils ont vu des locaux vides et ils ont dit, tiens, si on s'installait là. À vous de voir, lorsque demain, puisque vous parlez, assister aux réunions de quartier, vous avez des concitoyens qui se font insulter, lorsque vous avez des concitoyens qui se font agresser, c'est à Malemort que ça se passe. Donc oui, monsieur le Filippi, oui, nous avons un budget dynamique. Oui, monsieur Filippi, trouvez peut-être qu'on n'est pas assez pessimiste. Oui, nous sommes optimistes. Oui, monsieur Filippi, j'aime me donner des challenges forts. Je suis un homme de challenge. Je suis un homme et nous sommes une équipe où lorsqu'on se donne un objectif, on se le donne toujours très haut pour obtenir le maximum. C'est la différence entre les battants et les autres. Oui, mesdames, messieurs de la majorité, on a des objectifs qui sont forts. On a la volonté d'aller loin. Peut-être nous ne réussirons pas tout, mais on en a la volonté. Et lorsque vous avez un objectif fort, si vous n'en exécutez que 50%, c'est que vous avez déjà été très loin. Donc voilà ce que je voulais vous dire. L'année dernière, c'était la présentation qui n'allait pas. Aujourd'hui, à 19h30, vous aviez peur qu'on embauche des fonctionnaires.
À 20h30, vous avez peur qu'on n'en embauche pas assez. Je vous laisse à vos remarques. D'autres remarques, d'autres questions ? Je mets donc ce budget de la commune de Malemort aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc l'opposition est contre et donc la majorité pour. Merci pour l'adoption de ce vote du budget primitif 2022. On continue. Affaires financières, adoption des taux de fiscalité 2022. Madame Duclos. Merci, monsieur le maire. Donc, comme vous le voyez dans le tableau, on vous a repris donc le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Je vous rappelle que depuis 2021, elle reprend celle de la commune pour 20% et celle du département 21,35, donc ce qui donne le taux de 41,56. Depuis 2021, les taux de la taxe d'habitation ne s'appliquent plus que pour les résidences secondaires et les logements vacants. Donc on vous a présenté le tableau avec le montant des produits envisagés. Vous savez aussi que la taxe d'habitation classique n'est plus quasiment versée, ou du moins à l'État. Derrière, il y a la contribution coefficient correcteur. Donc c'est calculé au regard des rôles définitifs de l'année 2020. Ils seront définitifs. Donc ça nous donne le produit attendu que vous voyez. Il vous est donc proposé d'adopter les taux présentés dans le tableau. Merci. 9 ans, monsieur Avril, que nous n'avons pas les uns et les autres augmenté les taux d'imposition. 9 ans que les Malemortois, grâce à la volonté des diverses municipalités, ne sont pas impactés budgétairement par les municipalités malemortoises. Je voulais ici vous remercier. Et nous continuerons à faire sans augmenter les impôts de la commune de Malemort. Nous n'augmenterons pas le taux d'imposition à Malemort. Des remarques ? Non. Merci, je le soumets aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Unanimité. Merci. Attribution des subventions aux associations 2022, Madame Nadine Picon-Chêne et Monsieur Stéphane Serre. Vous le faites à double voix ? Non. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal en date du 24 mars 2016 approuvant le règlement d'attribution des subventions aux associations, considérant que la commission Association Culture Sport s'est réunie le 24 mars 2022, considérant que, comme prévu dans le règlement d'attribution des subventions, des grilles de calcul par secteur d'activité ont été mises en place afin d'harmoniser le montant des subventions aux associations. Certains de ces principes sont communs à l'ensemble de ces subventions. Pas d'exclusion systématique des associations non malemortoises si elles ont une action réelle sur la commune. La subvention calculée au regard de la grille ne peut excéder le besoin de l'association. L'instruction des demandes a lieu une fois par an en amont du vote du budget. Les demandes de subvention exceptionnelles ou complémentaires sont instruites uniquement si la demande ne pouvait être prévue lors du dépôt du dossier. Une association présentant des disponibilités supérieures au budget prévisionnel de l'année en cours ou du dernier compte de résultats approuvé ne pourra bénéficier d'une subvention. La commune pourra déroger à cette règle si l'association justifie d'un projet ou d'un événement qui pourrait nécessiter cette provision. Ceci dit, en raison de la crise sanitaire qui a privé les associations d'une partie de leurs ressources, l'application de ce principe est suspendue pour la deuxième année consécutive. La subvention sera plafonnée à 25% des dépenses annuelles de l'association. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver les critères d'attribution proposés, d'attribuer les subventions figurant dans les tableaux ci-dessous pour un total de 118 888 euros,
dont 116 878 euros au compte 6574 et 2010 euros au compte 6745, subvention exceptionnelle. Merci, Madame Nadine Chêne-Picon. Je souhaiterais, avant d'aller plus loin, remettre l'église au milieu du village et dire certaines choses. Lorsque certains anciens élus se permettent de raconter des bêtises du style ce que les associations qui vont gagner de l'argent à Festi Barbecue, cet argent leur sera enlevé de leur subvention communale et voilà. Là. Donc ce style de bêtise, de calomnie, je voulais quand même dire que les subventions aux associations sont maintenues, voire amplifiées. Je vais même aller plus loin. Car si je suis le règlement intérieur, le règlement que nous avons fait avec les associations et qui se suit d'année en année, où l'argent du contribuable qui est fait pour aider le monde associatif n'est pas là pour enrichir les banques et pour que certaines associations se retrouvent avec un petit pactole. Eh bien, si nous avions suivi cette règle, je dois vous annoncer que les Amis de Malemort n'auraient pas de subvention ce soir, que les Chœurs de Brénige n'auraient pas de subvention, que le Comité des Fêtes n'aurait pas de subvention, que Danse en Partance n'aurait pas de subvention, que Malemort Loisirs n'aurait pas de subvention, que la DAPI de la Corrèze n'aurait pas de subvention et que la FNACA n'aurait pas de subvention. Eh bien, nous avons fait le choix, en cette sortie de crise Covid, où nous devons être au plus proche de notre monde associatif, parce que c'est l'essence même de nos communes, le bien vivre ensemble, que nous avons décidé de maintenir ces subventions et même d'en donner un peu plus. Et c'est donc avec fierté que nous continuerons à aider nos associations, mais nous devrons faire aussi un travail pour que derrière certaines associations que nous aidons, eh bien, réinvestissent directement l'argent et les subventions qui leur est donné pour faire vivre le milieu associatif, faire vivre le bénévolat et faire vivre les animations, le sport et la culture dans notre commune. Voilà ce que je voulais vous dire. Je mets donc cette... Hop, est-ce qu'il y a des remarques ? Pardon ? Non ? Je mets donc cette délibération aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Adoption de la participation fiscalisée à la Fédération départementale d'électrification et d'énergie. Madame Florence Duclos, mais Monsieur Manière aurait pu nous la faire aussi. Donc c'est une délibération annuelle qui vous propose en fait de conserver le mode de financement de la Fédération départementale d'électrification et d'énergie de la Corrèze. Donc il vous est donc proposé d'opter pour la participation fiscalisée pour son financement et d'accepter la mise en recouvrement par les services fiscaux auprès des administrés de la somme fixée par le syndicat concerné. Merci. Merci Madame Duclos. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de questions. Je mets aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Unanimité. Merci. L'ordre du jour est maintenant épuisé et je vous propose de passer aux questions diverses ou aux remarques. Je vous écoute. Oui, Monsieur Marchou. Une question concernant les enquêtes PLU. Donc, il y a deux enquêtes. Et beaucoup de personnes s'interrogent donc sur le pourquoi de deux enquêtes, puisque Venarsal et Malemort-sur-Corrèze ont fusionné en 2015. Puisque deux enquêtes, ça fait une opération
qui va avoir un coût supérieur à une enquête, probablement. Et puis, en termes d'image par rapport à la fusion, donc il y a un questionnement aussi. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, monsieur le maire, sur ce sujet ? Bien sûr. Vas-y, Christian, si tu veux. Et je donnerai. Vas-y. Et après, je donnerai. Parle du micro, s'il te plaît. Là. Pardon ? Oui. Donc, on a. Alors, aujourd'hui, on a deux PLU. Le PLU de Venarsal avait été démarré bien avant la fusion. C'est pour ça que les services de l'État nous ont demandé de conserver les deux PLU séparés. Et qu'aujourd'hui, par rapport à ça, on est obligé d'avoir deux commissaires enquêteurs pour la révision du PLU, dans les deux mêmes cas. Voilà, monsieur Marchoux. Ah, c'est l'État qui nous demande ça. Vous dire quand même qu'il y a même trois PLU hein, en ce moment, trois révisions. Le PLU de Venarsal, le PLU de Malemort-sur-Colorez, mais aussi le PLU allégé pour la zone de... Révision allégée, pardon, pour la zone de la station-service de Super-U. Voilà. Mais comme vous le dites, si la loi ne l'avait pas imposé, on se passerait bien d'avoir tous ces PLU. D'autres remarques, d'autres questions avant de clôturer ? Oui, monsieur Filippi. Avant l'ouverture de cette séance... je vous ai interrogé sur un sujet que je souhaiterais commun. Donc, vous êtes président de cette séance. Je vous propose de vous inviter à délibérer. Voilà, c'est un vœu qui a été proposé par la préfecture, hein, monsieur Filippi, en solidarité avec, bien sûr, l'Ukraine. Vous dire que la commune de Malemort fait des choses discrètement. Nous ne communiquons pas. Je pense que lorsque l'on est touché sur l'humain, sur des choses comme ça, on n'a pas à communiquer, on doit faire les choses humblement, tranquillement, mais bien sûr qu'un vœu, ou l'ensemble d'ailleurs des ou de nombreux conseils municipaux de diverses tendances sont mis, je vous propose de voter ce vœu et je vous ferai parvenir. C'est la préfecture qui l'a fait parvenir ces derniers jours. C'est ça, M. Filippi, vous voulez rajouter quelque chose ? Versement aux populations via une association qui a été ouverte par le ministère de la diplomatie, enfin des affaires étrangères. Je suppose que tout le monde est contre. Et contre et pour, pardon. Désolé, je commence à fatiguer. Tout le monde est pour, pas d'abstention. Je voudrais vous remercier, m'excuser des absences que j'ai pu avoir ce soir, mais à la lecture de la presse demain matin et des réseaux sociaux ce soir, l'affaire, le président du conseil d'administration du SDIS de la Corrèze que je suis avait besoin aussi d'attention, une attention toute particulière sur quelque chose de dramatique où je m'exprimerai demain matin. La séance est levée, je tiens à vous remercier. Bonne soirée.